Hey yop tout le monde, c'est Simio, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va faire office d'une série qui sera tout simplement une petite série présentation de mode où je vais vous présenter plein de modes, les modes que j'ai aimés, que j'ai trouvé cool et tout et tout. Et on va tout de suite commencer par le mode Minecraft Beer Mode, tout simplement un mode Minecraft qui rajoute de l'eau, des boissons pardon, et des boissons dans Minecraft, j'allais dire de la bière, mais oui, Beer Mode, voilà. On va tout de suite commencer. Alors ce mode est bien pour la survie, mais également beaucoup pour la décoration, comme vous le voyez, il y a plein de nouveaux items, comme ça, les tonneaux, le distillateur, enfin bref, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors simplement, dans le Beer Mode, il y a déjà des bières dans Minecraft. Alors pour de la bière, il vous faut du houx ou de la... Ah merde, je suis en game mode. Je vais me mettre en survival. Alors il vous faut du houx ou de la houx, je sais pas comment on dit, que vous trouverez dans un village. Alors ça, je vous montrerai après. Ce sera, j'irai au village là-bas pour vous montrer. Vous trouverez de la malt dans un village de PNJ que vous pouvez échanger avec les marchands ou bien que vous aurez à la place des carottes ou par exemple de la patate. Vous le plantez, c'est comme le blé, avec de l'eau, irrigation, lumière. Et par contre, ça pousse deux fois moins vite que le blé. C'est-à-dire que quand le blé serait entier, lui, il sera que à cette étape. Alors, pour faire une bière, il vous en faut 4 ou 3, je ne sais plus. 3 minimum, 4 si ça bug. Alors ensuite, il vous faut un mug. Et ceux qui ne connaissent pas le mug, c'est tout simplement le petit bol qui se craft de cette façon. Alors il vous faut des glass pane, des panneaux de vitre. Et vous allez faire un pantalon à l'envers, sans les deux côtés. En fait, une sorte de V en glace. Et ça vous fait 3 mugs. 3 mugs, c'est très stylé aussi pour la déco, comme vous le voyez. Si on le met dans un cadre, ça fait joli. En même temps, j'ai mon ressource pack, mais c'est pas grave. Alors ensuite, il vous faut un tonneau qu'on peut faire de la façon avec du bois normal, du bois de bouleau, du bois foncé, je sais plus comment ça s'appelle, du bois d'acajou. Et franchement, ça fait très stylé si vous voulez le mettre dans une maison ou quoi. Okay. Alors pour faire les couleurs, c'est simplement ce craft, mais de toutes les couleurs. Alors je vais vous montrer. Vous faites un coffre, vous enlevez les deux du milieu, enfin voilà, la rangée du milieu, et vous faites que du fer. Et ça va vous faire un barrel en oak wood, c'est ce bois, le bois de base. Mais vous pouvez également le faire avec tous ces bois. C'est-à-dire le bois foncé, clair, rosé, comme ça, et voilà. Ça fait très stylé, juste prendre ça. Ensuite, pour faire de la bière, ça je l'ai mis avant dedans, vous mettez le mug en haut, et en dessous vous mettez la malt. C'est très long, et ça utilise beaucoup, comme vous l'avez, là il y en a une qui est partie, ça descend. Alors, je sais pas si ça va suffire, 2 ou 3. Je pense que 3, ça devrait suffire pour une bière. On verra ça, hein, on va voir ça. Alors on va attendre. Allez, plus vite. Allez, tron. Alors ouais, je vais faire plein de modes différents avec ça parce que j'aime beaucoup le faire. En fait, j'ai découvert une nouvelle passion, si je peux dire. Et ça vous fait une bière quand vous faites... C'est 3 en fait. 3 malt et un mug, ça fait une bière. Une bière en anglais. Et quand vous le buvez, vous êtes en régénération 3 et nausée. Alors je vais vous expliquer ça. Sur toutes les boissons que je vais vous montrer, ce ne sont que des boissons alcoolisées. Donc à consommer avec modération, bien sûr. Et 5 chances sur 10 d'être en nausée. C'est-à-dire 5 chances sur 10 d'être bourré avec ce mode. Alors, juste déposer tout ça pour que ce soit mieux. Alors le beer mode, il y a de la bière, mais il y a également d'autres boissons telles que la vodka, le vin et plein d'autres boissons. Alors on va s'attaquer au vin. Le vin, c'est tout simplement cette petite chose que l'on obtient avec des vignes. Les vignes qu'on obtient encore dans les villages de PNJ. Alors, les villages de PNJ sont très importants pour ce mode où vous ne pouvez pas l'utiliser. Enfin, vous ne pouvez pas trouver de trucs. Alors, le raisin, il y a aussi les mobs qui le lootent. C'est aussi très rare, c'est comme la patate. Or, c'est très semblant à l'acajou, comme vous le voyez, sauf que c'est rose. Enfin, violet, plutôt. Alors, ça se récolte par 3 quand elle est quand elle est mûre. Ensuite, vous pouvez le reposer. Alors ça, c'est aussi un point que je vais souligner. Alors on ne peut pas poser sur un bloc. On ne peut pas le poser sur un bloc.
mais il faut le poser sur ce petit support qui est un... Je vais pas vous dire de bêtises, donc je vais pas le dire. Je vais vous le faire. C'est un... Je sais pas du tout comment on dit. Alors, c'est un thé en stick. Voilà, un thé. Et ça vous fait une plant grape, voilà. Une plantation de... un plant de grappe. Alors, vous pouvez juste le poser dessus, sur le petit bord. Et ensuite, ça va pousser. Alors ça, je vais vous le montrer pendant la vidéo. Je vais pas rester à côté le temps que ça pousse. Voilà. Je vais... bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça se met pas. Ah, si, ça se met. Alors ensuite, pour faire du vin, il vous faut... Je vais prendre ça. Il vous faut une glass bottle. Cette fois, pas de mug, une glass bottle. Que vous allez mettre dans un distillateur. Un distillateur qui se craft de cette façon. Ok. J'ai oublié de le faire. Donc, je me mets juste en... truc, j'ai oublié de vous le... De vous le montrer, alors j'ai juste comme ça, c'est avec un iron, un diamant et 1, 2, 3, 4, 5 bois. Alors les crafts sont vraiment très simples, hein. C'est pas un mode avec plein de crafts différents, c'est tout simplement un bateau en bois avec n'importe quel bois que vous voulez, un diamant et un fer. Non, c'est l'inverse, un fer et un diamant, le diamant au milieu et un fer et au-dessus. Et ça vous fait un distillateur, un distiller en anglais. Un distiller. Alors vous allez mettre votre glass bottle. Alors juste petite parenthèse, vous pouvez pas faire shift click, ça ne va pas dedans, je ne sais pas pourquoi. Il faut le poser, il faut le mettre au-dessus, pardon. Et pareil pour la grape, ça se, on fait shift click, ça ne marche pas. Il faut le mettre dedans. Alors ça c'est très très long, c'est le seul désavantage. Alors le temps que ça cuise, je vais vous présenter tous les autres. Alors vous voyez, ça c'est l'étape numéro 2 de la plantation. Il y a étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, c'est déjà la grosse vigne, comme on a vu avant. Alors, bon, le temps que ça chauffe, je vais vous montrer tout le reste. Vous pouvez également le faire avec une potato. Vous mettez le glass bottle et la potato. Je me trompe tout le temps, c'est comme ça. Alors, vous mettez une potato en bas, une glass bottle. Pareil avec une pomme et une glass bottle. Bon, il y a déjà une pomme, je ne sais pas pourquoi. Il y en a déjà une. Et avec un melon. Enfin, pas que et, mais il y a... Vous pouvez le faire également avec un melon. Et en finale, vous pouvez le faire avec une carotte. Voilà, alors on va attendre que ça chauffe et on va tout de suite... on va voir tous ses effets. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà, c'est très bon. Allez, 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 allez. Voilà, on reçoit du vin quand on fait cuire une vigne et une... Bah, une pas une... Attendez, je crois que je me suis trompé, attendez. Ah non, c'est bon. Je sais pas si ça a une importance, le sens en fait, mais je pense. Alors, quand on boit du vin. Alors, voilà un et. Non, encore une fois, j'ai pas de chance, hein, c'est ça. Vous êtes en speed 4 et régénération 4, ce qui est très bien. Ça fait environ le double d'une potion de. D'une pomme d'or, pardon, je vais dire une potion de force. Mais la nausée, c'est très chiant. Alors, comme dit, une chance sur 2 ou 5 chances sur 10 de l'avoir. Ensuite, nous allons boire le lait pour enlever tous ses effets. Nous allons voir ensuite avec la patate. Ouais, patate. Une patate avec une bottle, ça nous donne de la vodka. Alors juste aussi, petite parenthèse, la bouteille est ovale, alors que là elle est plus arrondie. Ça fait des belles décos, encore une fois, si vous voulez faire genre une cuisine ou quelque chose comme ça fait très joli. Vous allez boire la vodka. Et là, comme vous le voyez, j'ai de la chance, je suis pas en nausée. Ace 2 et régénération 4. Ace, c'est pour miner plus vite. Enfin voilà, c'est juste ça. Est-ce que c'est bon? Ouais, 40 secondes, je vais quand même le boire. Ensuite, ah oui, aussi, juste pour dire, le mode est dans la description, je vous envoie sur un lien. Minecraft FR ou Minecraft France. Ensuite, quand vous le faites avec une pomme, ça vous donne de la manzana. Alors ça, en réel, je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était de la maïzena, mais non, la maïzena, c'est une poudre, enfin, je sais plus comment on dit. Et quand on le boit... Comme vous le voyez, j'ai de nouveau de la chance. Fire Resistance 3 et Régénération 4. C'est très cool, très cool, très cool. Ensuite, nous avons la pastèque ou le melon, comme vous voulez. Ouais, le melon, ça fait un water... une liqueur de water lemon. Quand on le boit. Nouveau de nausée, pas de chance. Et là, on a un water braining. Je sais pas ce que c'est, ça, par contre. Je suis franchement désolé.
Je me demande si on nage. Je me demande si on nage pas plus vite. Je vais voir ça. Hein. Non, je pense pas, hein, mais. On va voir ça, je pense pas du tout. Juste regarder. Non, on nage pas plus vite, c'est sûrement la respiration ou quelque chose. Enfin bref, c'est pas un souci. Et ensuite, avec la carotte, on obtient... fuck. Ouais, c'est dans l'autre sens. Donc je vais me le give, hein, aucun problème. Non, je vais pas me le give. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3 pour le vin. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux vous... Maintenant, je peux vous parler, maintenant que ça chauffe. Si vous avez des mods à me proposer, mettez-les moi en commentaire. Alors j'ai aussi décidé de faire ce mod parce que je me suis dit, j'ai vu le mod et j'ai fait, ouais, pourquoi pas faire une série là-dessus. Alors j'ai dit juste le beer mod, ça le fait pas. Alors je vais installer plein de mods et faire certainement une série en solo. Et bah juste avant, je vais vous présenter les mods, mais c'est pas sûr, hein, je vais... Voilà, alors envoyez-moi vos mods. Si vous voulez que je vous montre, envoyez-moi pardon un lien sur un site ou dites-le moi si vous voulez. Vous écrivez par exemple le mode blablabla sur Minecraft France, vous allez trouver, enfin bref. Et voilà, alors voilà tout simplement. On va tout de suite voir la carotte. Allez, 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 ça chauffe, ça chauffe. Et on reçoit du Buna. Je ne sais pas ce que c'est. Mais le Buna, ça nous donne une nausée, voilà, pas de chance. Une jump boost et une régénération 4. Alors voilà le jump boost qui nous permet de sauter 3 blocs. Voilà, c'est très cool. Pour sauter des longues trucs. Alors le bonus est cool, buvez-en. Et donc on va tout de suite se rendre au village de PNJ. Pour vous montrer les nouveautés dans les villages. Alors voilà, j'ai tout prévu, j'ai fait le test avant. Je prends une pomme d'or. Voilà, bravo. Normalement vous aurez des tavernes avec des taverniers, je sais pas comment on dit, des serveurs. Voilà, je me suis fail. Alors normalement ça devrait tout juste passer. Oh non, c'est bon. Vous aurez des tavernes avec des serveurs et tout et tout. Alors voilà. Le Mojang de merde là qui font des bruits de merde avec ses villageois. Alors je vous en ai préparé quelques-uns. Des taverniers. Alors déjà, comme vous le voyez, la taverne c'est ceci. Il y a un mur en... Ah oui, je suis mort ici avant donc j'ai tout ça. Vous avez une taverne avec un mur lisse, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de le faire comme ça. Et à l'intérieur de la taverne, vous avez des distillateurs et des tonneaux, ce qui est très stylé. Normalement, il y a un villageois, mais je sais pas où il est. C'est barré. Bref, alors normalement, je sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, il est ici. Il y a un coffre et voilà, vous avez... Des grapes, du malt, du watermelon, du grape et des seeds. Alors attendez, juste pour les seeds, je crois que... Il y a des champs quelque part. Ah voilà, il est là-bas. Alors comme vous le voyez, il y a des seeds de ce truc. Comment ça, je sais plus comment ça s'appelle, du malt. Alors voilà, vous avez pas de chance, j'avais pas de chance. Ou c'était pas entièrement. Alors c'est légèrement plus foncé que le blé, enfin bref, vous avez ça. Et vous avez aussi, comme dit ça, cette petite chose, qui est une taverne. Alors, je vais vous montrer aussi les différents taverniers, alors qu'on les reconnaît. Bah déjà, si vous avez un ressource pack et que les villageois sont modifiés, ceux-là ne le sont pas. Comme vous voyez, moi, j'ai le ressource pack, ils sont modifiés et pas ceux-là. Ils ont une potion sur leur tablier, alors vous pouvez les échanger contre du vin, du buna ou encore des grapes. Enfin bref, vous pouvez les échanger contre beaucoup de choses. Là, on peut avoir des seeds... Enfin bref, ouais, c'est moi. Avant, je leur ai donné des choses pour qu'ils m'en donnent plus. Alors, on va juste faire un slash kill pour retourner là-bas. Et excellente technique. Voilà, si on met pas la majuscule, ça va pas le faire. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue, donc voilà, c'est pas un souci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Envoyez-moi vos mods, comme dit, parce que j'aime bien faire ça en fait, c'est cool. De présenter des mods quand on comprend quelque chose. Alors ouais, les mods comme Fit de Patrick, je comprends strictement rien, sans vous mentir. Alors bon ben, si vous avez d'autres mods qui facilitent votre truc, votre façon de jouer, bon, moi j'ai exactement aussi Raise Minimap, je l'ai enlevé pour la présentation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert,
à commenter, beaucoup commenter, parce que c'est cool de parler avec vous, j'aime bien. À vous abonner à ma chaîne, hein, c'est le plus important que je vous demande. Alors c'est normalement la première vidéo francophone qui fait la présentation de ce mode, donc j'espère que j'aurai plein de vues. Hein. Parlez-en à vos amis, faites un tour sur ma chaîne, il y a plein d'Hunger Speed. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bye bye.